Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chien Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle idée de recette de pâtes cuites à la poêle. Je l'avais testée une fois et je ne le rate jamais. Vraiment super et très très bonne pour un dîner facile et réalisé en très peu de temps. Alors, on commence la préparation. Pour moi, j'ai choisi les spaghettis. Vous pouvez utiliser les pâtes de votre choix. Je l'avais divisée à moitié puisque cette poêle dans laquelle je vais faire la cuisson est petite. Alors j'ajoute les tomates, une tomate que j'ai pelée et coupée en petits morceaux. Aussi les poivrons verts et rouges, coupés en dés. Demi-poivrons verts et rouges. Un oignon vert, coupé aussi en petits morceaux. Vous pouvez également ajouter les légumes de votre choix, les courgettes, les aubergines, selon ce que vous avez. J'ajoute un demi-petit verre de l'huile végétale au-dessus de spaghetti. Pour les épices, petite cuillère de sel, de poivre et l'ail en poudre. Petite cuillère de cumin, une cuillère à soupe de concentré tomate. J'ajoute aussi la coriandre fraîche coupée finement. Vous pouvez ajouter à la place le persil, les feuilles de basilic ou du thym. Et en dernier temps, l'eau bouillante. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. On a fini la préparation, pas facile que ça. Et c'est parti pour une cuisson d'environ 15 à 20 minutes sur feu assez moyen. La cuisson à couvert sans oublier de remuer de temps à autre. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également d'autres recettes de pâtes sur ma chaîne et divers choix pour un dîner ou pour un déjeuner facile et réalisé en très peu de temps. Je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, je vous invite à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Maintenant qu'elle est bien cuite, hors feu et encore chaude, j'ajoute dessus une boîte de thon avec le fromage râpé. Et voilà, j'espère que cette idée de recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Bon appétit et je vous retrouve prochainement.